Classique 21, en direct du Grass Pop Metal Meeting. Et bienvenue à tous, cette année tout est nouveau de notre manière de vous faire vivre le festival à l'infrastructure du site de Dessel lui-même. Et cette année, on avait envie d'avoir encore un peu plus que d'habitude votre avis. Voilà, nous sommes avec Pierre ici sur la plaine du Grass Pop. C'est une plaine que vous connaissez bien, je pense. Ouh, ça c'est sûr, ouais. Ça fait une 15e fois que je viens ici sur presque 20 ans. Presque 25 ans, 15 fois, ouais. Qu'est-ce qu'on attend dans Grass Pop après avoir vu déjà quand même beaucoup de têtes d'affiches? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer à venir? J'ai beaucoup fait Werther avant et ce que j'adore dans le Grass Pop, c'est la qualité des gens. C'est le fait que l'ambiance est assez cool, qu'il n'y a jamais d'agressivité, que c'est toujours un plaisir. Et on vous emmène tout de suite pour la visite. Et on commence par les main stage, les scènes sur lesquelles on a pu voir les plus grands noms du jour, comme par exemple Powerwolf, Battle Beast, Volbeat, Dropkick Murphys et bien évidemment Iron Maiden. Et sur notre route vers la prochaine scène, une nouveauté bienvenue, les gradins. Et voici cette marquise, avec le très attendu Merci Full Fate. Et puis avant cela, d'autres noms bien sûr. On a eu Flotsam et Jetsam, Death to All et Steak. Incontournable sur la plaine du Grass Pop, la grande roue dans laquelle je refuse catégoriquement de monter, que les choses soient claires. Ça, on verra bien. Et maintenant, direction le Metal Dome, hein, probablement le chapiteau le plus intimiste du festival dans lequel on a pu voir aujourd'hui les Belges de l'Alma, High on Fire, le groupe de Matt Pike, hein, et on a eu l'occasion d'ailleurs de découvrir nos premiers pogos du festival. Si vous regardez bien à droite de l'écran dans un instant, eh bien vous allez voir les gars de Mastodon sur la scène, ce qui n'est pas vraiment une surprise, Cyril. Non, pas du tout. En fait, Matt Pike et Brent Hinds sont deux grands amis. En février de cette année, ils ont sorti un single ensemble et on sait que les deux groupes sont vraiment très très liés. Mastodon qui était sur la main stage à 17h30 avec un excellent show parsemé de pas mal d'extraits du nouvel album Hushed and Dream. Et puis un claviériste, Joao Noguera, qui est d'ailleurs celui qui participait à l'élaboration de l'album. Un show qui a convaincu aussi ceux qui connaissaient peu le groupe. Mastodon, belle découverte, j'ai vraiment beaucoup aimé, franchement honnêtement, toi aussi d'ailleurs je t'ai vu. Mastodon, j'ai vraiment adoré, vraiment j'ai trouvé que c'était très très sympa, ils ont fait un show qui était lourd et plaisant, comme on a envie de le voir. On quitte nos auditeurs pour repartir au Metal Dome avec les gars de Baroness, Cyril. Baroness qui nous ont proposé un concert exceptionnel, une belle leçon de classe, d'humilité comme d'habitude. Les Américains étaient en pleine forme et ils ont complètement ravi leur public. Et on passe à la Jupiler Stage. Comme toujours en festival, choisir, c'est un peu renoncer puisque pendant le concert de Baroness, c'est Suicidal Tendencies qui a fait monter la température avec une setlist qui a rendu les fans assez fous et un line-up un peu différent de ce à quoi on s'attendait. Et tout simplement pour des raisons d'agenda, le bassiste Roberto Diaz a été remplacé par Ty Trujillo alors que le batteur Dave Lombardo, lui, a été remplacé par Brandon Pertzborn qui a joué avec Marilyn Manson par exemple. On quitte Suicidal Tendencies pour retrouver la tête d'affiche de ce premier jour de la 25e édition du Grass Pop, Iron Maiden, qui se produisait ici pour la 10e fois, mais pour le premier concert belge depuis la sortie de Senjutsu. On a rencontré des auditeurs fans à la fin du concert, ils nous ont donné leurs impressions. Yannick, est-ce que vous êtes un fan d'Iron Maiden? Oui, bah, ça fait à peu près un peu plus de 30 ans que j'écoute Maiden, donc je le connais assez bien. Et donc, très, très bon concert, évidemment je suis tout à fait subjectif, mais... C'est vraiment un spectacle en fait dans son ensemble. On a commencé par quelques morceaux sur le dernier album et puis le décor a tout à fait changé et ensuite un nouveau décor quasiment à chaque morceau. Donc c'est vraiment très impressionnant. La voix de Bruce est vraiment quelque chose d'unique. Le rythme de Steve Harris à la basse c'est vraiment très chouette aussi. Donc oui, voilà, je suis un grand fan et vraiment passé un bon moment. Non, là ils ont vraiment joué certains morceaux qu'on avait, moi personnellement, j'avais plus entendu depuis longtemps sur scène. Et pour la nouvelle génération, c'est bien parce que ça renforce encore un côté familial en fait.
Et nous avons terminé cette première journée en beauté avec l'événement pour les fans de Mercyful Fate, puisque le groupe danois faisait un retour sur scène après 23 ans d'absence. On aurait d'ailleurs bien aimé le rencontrer lui aussi. Malheureusement, les interviews cette année, c'est un petit peu compliqué puisque la menace du Covid est toujours bien présente et les artistes, surtout les plus anciens, sont très très prudents. Alors il y en a qui proposent des interviews via visioconférence par exemple. D'autres, comme Mercyful Fate, ont décidé d'utiliser la plateforme Twitch. On termine ici cette première journée de festival. On dort quelques heures et à demain.